Sentinelle, veille! Je ne sais pas pourquoi ils nous font crier ces idioties. Pour nous réveiller. C'est un vieux truc terrien, d'avant les âges. Grand et Saturne! Voilà cet imbécile de Smith qui se réveille. Lointain Neptune! Enfin, le temps s'étire. Plus que 2 mois subjectifs à passer sur ce bidule de planète. Anacrité. Elle s'appelle Anacrité. Je me demande où ils vont chercher ces noms. Et quand je dis que c'est un bidule, c'en est un. En dehors de toutes les voies de communication régulières. Faut pas se plaindre, ça ressemble à la Terre. C'est pas pareil. On n'est pas chez soi. Le soleil est bleu. Et puis, on n'est pas sûr de rentrer. Pourquoi? On est en paix avec les Anacrétiens. La belle affaire. Un traité nous permet de maintenir des bases. Ça n'a pas empêché le poste M14 de disparaître. On n'est pas sûr. Fais pas l'imbécile. Tu sais bien que le poste M14 à l'est a disparu. Et aussi le K12. Et qu'on se trouve entre les deux. Ce n'est pas parce qu'ils ne répondent plus. Tu entends? Rien. Je n'entends rien. Ça doit être dans l'air, comme une musique. Il paraît qu'on n'a rien trouvé. Pas de cadavre. Nulle trace de combat. Parce qu'il n'y a pas eu de combat. Et ma parole, Smith s'est endormi. Comment? Pas de combat. Et alors où sont-ils? 12 hommes par poste. Des astronautes aussi entraînés que toi ou moi. Il paraît qu'on a tout retrouvé en ordre. Leurs armes au râtelier et les frigos pleins. Ils sont peut-être partis. Partis? Tu parles? Il y a de ces choses qui arrivent sur les planètes. Des choses qui n'ont pas de nom. C'est vrai qu'il y a comme une musique dans l'air. Ouais! Noir et Pluton! Ouais! Olsen ne répond pas. Grande est la Terre! Puissant le système solaire! Ils ne répondent pas. Ils ne répondront jamais! Tais-toi. Écoute. Montons le poste avec le rôle de la patrouille. Laissez-lui le temps d'entrer en action. Ça a l'air désert. T'as cet tapis d'œuvre. Fais les sommations. Ohé, du poste 13. La Terre parle. Ohé. Ohé. Ils répondent pas, chef. Vous pensez pas que... La ferme. Essaie encore. 3 sommations. Ohé. Du poste 13. Ohé! C'est inquiétant. On dirait qu'ils sont tous partis. Ou qu'ils dorment. À cette heure-ci. Le soleil est au zénith, comme une grosse pierre bleue. J'aime pas ça. Ouais, sûr que c'est inquiétant. On n'a pas pu les avoir par radio depuis l'astronef. On croyait à une panne, mais... Bon, 3 sommations et on entre. Sinon, on s'oppose tirer. Et s'ils sont là? S'ils sont là et qu'ils ne répondent pas, c'est qu'ils ne sont plus des nôtres. Alors, Anax, rien en vue? Ça m'a l'air d'un poste déserté, commandant. Les sommations? Faites sans réponse, la prouve. Qu'on ne nous a pas envoyé pour rien. Il y a assez longtemps que ces garnisons disparaissent. Si mon père m'avait écouté... En position de combat, allez-y. Personne. Absolument vide. Alors, personne? Personne, commandant. Tout est en ordre parfait. Les armes astiquées, graissées. Sur la table, les couples sont à demi-pleines. Oui. On aurait dit qu'ils allaient se mettre à table, commandant.
Vous croyez qu'ils ont déserté de plein gré? Non, non. Alors, ils sont tous morts? En tout cas, il n'y a pas longtemps. Tenez, cette cafetière, elle est encore chaude. Que faites-vous, Pierce? Je cherche, commandant. Il devait avoir ici un rouleau avec l'hymne aux étoiles. On met ça pour saluer les astronautes morts dans l'espace. Allez, c'est ça. À vos ordres, commandant. De toute façon, leur électrophone est détraqué. On n'entend rien. Mais moi, j'aurais aimé qu'on me joue l'hymne aux étoiles. Commandant! Commandant! Tous les émetteurs sont détraqués. On est coupé de la Terre? Mais pas de la Terre! On est coupé de l'astronef. Quelle mélasse! Il y a peut-être des émetteurs au poste voisin. Mais il n'y a pas de poste voisin. On est fait comme des rats. Silence tous. Vous êtes des gosses ou des vieilles femmes? Les précautions sont prises. Si dans 12 heures l'astronef ne nous contacte pas, il y a un deuxième débarquement en force. Et des représailles. Et pourquoi croyez-vous qu'il reste sur orbite? Pour des prunes? Et maintenant à vos postes. Pierce, prenez les tests. Bien, commandant. Sentinelle au créneau. L13 en état d'alerte. Anax, tu prends le commandement. Mais toi? Je vais en ville, au palais. Il y a là des gens qui doivent nous expliquer ces disparitions. Je suis tout de même le fils du vice-président terrien des Astres Libres. Si je ne reviens pas, les autres avanceront. Mais seul tu risques... Fais ce que je dis, Anax. Bien. C'est un ordre. C'est mon transistor. Il joue l'hymne aux astronautes morts. Voici au palais de notre prince, le plus sage et le plus juste de la galaxie. Que le cosmos conserve ce prince pour Anacrité. Aujourd'hui, sa plus jeune fille, Phède, va se retirer sur la montagne et préparer dans le jeûne et les prières sa consécration à la sagesse intemporelle, seule divinité de notre planète. Son sort est enviable. Que lui réserve-t-il? Elle connaîtra le passé, l'avenir, elle pourra en jouer, les entrelacer. Mais le présent, qu'aura-t-elle du présent? Ce qu'elle en aura fait, le présent seul est malléable. Tes paroles m'effraient. N'est-ce pas cette nuit même? Cette nuit de prière où les étrangers descendent sur cette planète et où s'installe la grande peur de Thor. Ces choses sont obscures, c'est bien la nuit terrible. Aussi sommes-nous pressés d'emmener la jeune princesse au temple. La voici qui vient avec sa sœur Aélia, la tendre Aélia. N'irons plus au bois. 4, 5, 6 pour cueillir des cerises. Ne fais pas la petite fille, Phède. Tu vas devenir prêtresse. Tu serviras le premier principe. Les espoirs de la planète reposeront sur toi. C'est lourd, les espoirs de la planète. C'est métaphysique. Tu devrais comprendre que... Je devrais comprendre que chez nous, toutes les choses ont deux noms. Pourquoi? On dit la grande nuit du Thor. Et aussi l'accès du combustible. On dit... Temple. Et puis aussi, le pupitre des commandes. Et moi, on m'appelle tantôt la Vierge très haute et tantôt la programmatrice. Cela signifie la même chose, je crois. Tais-toi, voici un étranger. Oh, il porte une armure de cristal. Il est droit comme un cèdre. Et ses cils brillent. Il est beau. Oh,
Je n'ai jamais su qu'un homme pouvait être si beau. Tais-toi. C'est un terrien. Ils sont tous faux. Ne t'avance pas surtout. Tu serais perdue. Oh. Oh, c'est doux quand il me regarde. Il me semble lire sa pensée. C'est ça, être perdu? Suis-je bien au palais du Tétrarque? Et toi, qui es-tu, enfant? Tes yeux sont des étoiles et tes mains des colombes. Heureux celui qui te voit, plus heureux celui qui te possède. C'est curieux, j'ai l'impression d'avoir lu ces phrases. Étranger, tu es sans doute un des dieux qui habitent les lointaines planètes et voguent sur les brillants astronefs. Sois-nous clément. Ils nous t'offriront nos champs et des tissus richement brodés. Elle divague. Serviteur de la sagesse, s'emmener là. Ne t'en va pas. J'ai tant de choses à te dire. Les mots venus du fond des âges se pressent dans l'air de cette nuit, doux comme un vin de sauge. Écoute. Le pèlerin qui s'achemine vers sa madone a le droit de baiser ses mains. Donne-moi les tiennes. Je t'ai reconnu, étranger, hôte des enfers, vainqueur des monstres. Tu devais descendre vers moi. Emmenez-la, elle est folle. Ce n'est pas son heure. Emmenez-la, ô sage. Viens, Phèdre, ce n'est pas encore ton heure. Viens, Phèdre, le fleuve temps s'écoule. La nuit du tort est longue, programmatrice. Viens. Je ne comprends pas. Ces phrases m'ont été dictées. Qu'ai-je dit à cette jeune fille? Ces paroles étaient dans les siècles, étranger. Mais elles ne lui étaient pas destinées. Simplement, elle s'est trouvée là. Ce n'était qu'un intermède, une défaillance du champ de mémoire. Mais une rencontre entre nous est prévue de toute éternité. Je m'appelle Aelia. Je suis la fille du roi. Je m'appelle Tess. Mon père est vice-président des Astres Libres. Je viens au nom de la Terre. Nous avons emmené Phèdre, tendre Aelia. Et voici le maître de ces lieux. Roi, tu as conclu avec les Terriens des traités qui garantissent tes richesses, mais aussi leur vie. La Terre a débarqué sur Anacrité des métaux rares et des substances dont vous aviez besoin. Des postes ont été établis pour sauvegarder nos droits, et voici qu'ils sont déserts. Nos camarades ont disparu. Je viens te demander compte de la vie de ces Terriens. Où sont-ils? Qu'en avez-vous fait? Jeune Terrien, tu es en colère. Si tes frères ont quitté leur poste, comment puis-je le savoir? Et encore moins où ils sont allés? Que peuvent d'humbles bergers d'Anacrité contre les astronautes vêtus de gemmes et d'acier? Tu te moques de moi, vieillard. Prends garde. Je représente la Confédération des Astres Libres. Tu me dois une réponse. La voici. Et je n'en ai aucune autre à te donner. Je suis aveugle, étranger. Et le nombre de mes années m'interdit de quitter le palais. D'autres, sans doute, en connaissent bien plus sur la disparition de tes frères. Plus que le roi? À minuit, nous touchons les fêtes de la sagesse. Mon fils va venir ici. C'est lui le maître. Mon fils... Tort. Je le verrai. Cette chambre est étrange. Toute cette planète est étrange. Elle ressemble plus à la Terre que le globe terrestre de nos jours. Cette ville ne s'endort donc jamais. Masques qui passent, flambeaux qui vacillent dans des nuages d'encens, d'oliban et de myrrhe. Où ai-je vu tout cela? Jamais au bord des marais homicides de Capella, ni face aux machines révoltées du Centaure,
Je n'ai éprouvé cette appréhension. Divine. Qui va là? L'appréhension est toujours divine. Ah, c'est vous, princesse Aelia. Posez cette arme, Tess. Rien n'arrive comme il se doit aujourd'hui. Dans mon rêve, vous m'appeliez jeune fille. Vous me trouviez belle. Je l'ai dit à quelqu'un. Mais c'est vrai, tu es très belle, Aelia. Tu m'as dit que notre duo d'amour était prévu depuis des siècles. Je ne sais plus. Nous sommes à un moment étrange où les séquences se mêlent. Tout peut arriver, ou rien. Mais nous n'avons plus le temps, Terrien. Je suis venue pour t'alerter, tu dois fuir. J'ai promis à ton père d'attendre le prince Thor. Comment tu n'as pas compris? Il n'y a pas de prince Thor. Il n'y a qu'un monstre assoiffé de vies humaines. C'est lui le vrai maître de cette planète. Il boit l'angoisse des étrangers et leur force. Puis il retourne au néant d'où il vient. Il y retourne, repu. C'est ainsi qu'ont péri tes beaux terriens. Ils auraient combattu un monstre. Pas celui-là. Thor est un monstre qui chante. Les ultrasons. Est-ce possible? Je ne sais ce que tu veux dire. Mais parle! Dis, est-ce vrai? Je ne sais rien. Tu mens. Tu as dit le chant de mémoire. Tu as dit programmatrice. Ou programmée. Tess, Terrien, bien-aimé, écoute-moi. Nous perdons le temps. Tue-moi si tu veux, mais fuis. Tess, fuis. C'est la nuit sacrée, c'est le grand sacrifice. Tes camarades se sont levés, ils ont suivi Thor comme du bétail. Et comme des victimes enivrées, consentantes, ils l'ont nourri de leur sang. Le même sort t'attend. Fuis. Je reste. Je combattrai le monstre. Ne t'arrête pas en chemin, Médéa. C'est la grande nuit de Thor. C'est la grande peur de Thor. Fuyons. Tu entends, Terrien. Voici que dans la nuit, les musiques se taisent. Les gens d'Anacrité prennent le chemin des forêts. La ville se vide de son sang. Comme une grande aile noire, la peur de Thor est déjà sur nous. Tu dois fuir, viens. Je reste, pour venger les miens. Non, tu restes parce que tu veux savoir. Insatiable curiosité terrienne, je la maudis. Mais je t'aime, Tess. Là, près de ton lit, j'ai caché une arme plus puissante que les tiennes. Elle vient d'un passé profond. Tu pourras vaincre Thor, le tuer. Puis tu viendras me chercher. Jure-moi, Tess. Je jure. Laisse-moi maintenant, Aelia. Adieu, étranger. Le cosmos t'aide. Aelia a donné l'arme aux terriens. Mais Fed est au temple sur la montagne. Mon cœur, pourquoi t'inquiéter? Les choses seront ce qu'elles doivent être. Un tissu d'effets et de causes. Au temple, il y a le livre de la consécration. Il est établi sur des calculs subtils. Il est le passé, il est l'avenir, il est tout. Fed ne l'ouvrira pas. Si elle l'ouvrait, malheur. Cette pulsation chaude et lourde de sang noir. Sont ces des battements sourds dans les ténèbres. Mon cœur inquiet. Dans trois nuits, je saurai. Dans trois nuits. Oh, comme c'est long d'attendre. Comme ce temple vide et sombre. Une seule lumière brûle près du pilier. Ne touche pas au livre, Fed. On dit princesse Fed. Mais d'abord, qui es-tu? Je suis la gardienne pourpre des secrets. Je n'enlève jamais ce masque rouge. Je garde le livre de la consécration où sont insérés dans leur ordre les séquences du temps et tous les mystères de notre planète. Et je n'ai pas de visage. Ça, je m'en suis déjà aperçue. Tu n'as encore reçu ni le voile ni le bandeau. Ne touche pas au livre. Oh, je m'ennuie, gardienne. Que faire? Pourquoi pas une petite lecture anticipée? Non, Fed. Tu risques de brouiller les séquences du temps. Prends garde. C'est le livre le plus ancien de la galaxie. Il a été composé par les maîtres du temps à l'ère cybernétique de Vega. Peu importe, je tire le rideau.
Les anneaux d'or glissent facilement. Oh, mais ce n'est pas un livre. C'est le mur. Tout le mur du temple, criblé de lumière, rouge, bleu, verte, et constellé de cadrans. Oh, il y en a trop. J'ai mal aux yeux. Et ces lueurs violettes qui zigzaguent, on dirait qu'elles sont des visages. Oh, mon cerveau s'emplit d'images folles. Des voix sans nombre me parlent. Oh, gardienne. Ce mur, c'est le champ, la surface programmée. Oh, j'ai peur. Et ces lumières? Ce sont des forces. Ces cadrans? Des airs. Ce sont des airs. Horreur. Ce que j'ai vu est impossible. C'est prévu du fond des âges. Je ne le permettrai pas. Non. Arrête. Non. Non. Tu vois? J'ai brisé le pupitre. Les lumières sont éteintes. Elles se rallument. Cela ne fera qu'une catastrophe de plus. Une comète entrant en collision, sans doute. Alors il faut que je descende en ville, que je les prévienne. Oh, c'est trop cruel, c'est odieux. Le monde est une machine aveugle et folle. Nous devons l'arrêter. Gardienne, je cours au palais. Pauvre petite démente. Briser la machine. Ils commencent tous par là. Prométhée, Toutenkhaton. Ce moine allemand et ce nihiliste russe. Et les glaciers, les séismes, les guerres, comme si cela menait à une fin. Au fond, ceci n'est qu'un modèle. Le vrai secret est là. Le monde a pour modèle parfait une machine électronique folle. Pitié pour toi, Fed. Ne pars pas. Je sais que tu lui as laissé le glaive et sa lumière qui guide. Il ne fallait pas l'aider, Aelia. Il ment comme il respire. Oh, il t'emmènera, bien sûr. Mais il boira le sang de ton cœur. Et tu resteras seule sur un astéroïde tournoyant dans le gouffre noir pour l'éternité. Je l'ai vu. On dira seule comme Aelia. Oh, je t'en prie, sœur chérie. Écoute-moi. Écoute-moi. Cet enfant est malade ou folle. Elle a parlé de la trahison d'Aelia. Mort au traître. La trahison sera punie. Mais on verra plus tard. Pressez-vous. Allez, venez, Aelia. Je vous dis qu'elle divague. On déporte les traîtres sur les astéroïdes, non? Mais vite, maintenant, allez-vous. Père! Oh, père! Tu ne peux me voir. Mais écoute ta fille, Fed. Cet étranger a des armes. Il vaincra Thor. Il a l'épée fulgurante qui brise l'antimatière. Le sang de ton fils coulera sous le coup brutal. Père, arrête! Il ne m'entend pas. Il passe comme un reflet sur les dalles lisses. Parce que tu as mêlé les séquences du computer et brisé la trame du présent. Ainsi font les fous qui voient et entendent les choses de tous ignorées. Mais ce sont des fous, et nul ne les écoute. Les sages! Oh, vous les sages de l'incrité! Arrêtez-vous, entendez-moi! Nous sommes au seuil d'un cataclysme effroyable! Cette planète sera envahie, conquise par des terriens brutaux! Nos villes brûleront! Vous paierez de votre sang!
Ils n'entendent pas. La mort est sur eux. Cette jeune fille a la fièvre. Laissez la princesse Fed. Non, c'est une démente. Fed a toujours été folle, sa mère déjà. Qu'on l'enferme dans le palais, sinon elle sème la panique. Mais c'est la nuit de Thor. Personne ne doit rester en ville. Oh, tant pis pour elle. Et fermez les portes. Fermez les portes. Et tirez les verrous. Écoutez, ils m'ont enfermée, mais je ne suis pas folle. Je ne crains pas la musique de Thor, je suis sa sœur. Mais ce n'est pas ma faute si je connais l'avenir. Non, non, petite Fed. Et nous sommes toutes là avec nos fantômes, avec des vies que nous avons vécues ou que nous vivrons. Qui es-tu? Que fais-tu ici? Tu es vêtue comme ma nourrice. Si tu veux me croire, j'ai été ou je serai une reine qui en étrangle bien d'autres. Mais auparavant, j'étais esclave. Il y a aussi des chevaux sauvages dans mon histoire. On attachait des gens à leur queue. Comment t'appelles-tu? Frédégonde. Ce n'est pas un nom de ce pays, ni de ce temps. Ce que je fais ici, tu devrais le savoir. Toi qui es responsable de tout ce désordre. Si tout ce que j'ai vu sur ces cadrans arrive, et cela va arriver, je me pendrai. Non, ne ris pas. Je sais même à quel arbre. Un figuier. Les signaux répétaient, elle sera pendue à un figuier. Écoute, Fed. Voici ce qui va se passer. Un bourdonnement aigu qui vrille le cerveau et tord les nerfs. Une hésitation lente et horrible dans laquelle on ignore où finit la torture et où commence le délice. Un chaos de sons, des couleurs et des sensations qui se succèdent avec une rapidité telle que le supplice musical empiète sur la joie visuelle. L'épouvante et le ravissement se résolvent dans le même spasme. Au plus profond de cet abîme, je dois garder intacte ma force et ma résolution. Le schéma d'un acte. Ne pas oublier. Ne pas renoncer. Une forme reste sur le lit. Tess, lui, descend dans les ténèbres. Il suit le pressant appel, comme les autres l'ont suivi. Tous les autres. Il s'est levé. Il a traversé le palais de cristal et la ville de Minho. Au cœur de la ville, une porte du temple est ouverte et l'appel monte avec une puissance prodigieuse. Tess pénètre dans le labyrinthe, l'onde se déploie en volutes écarlates. Elle chante et il entend. Je suis le commencement et l'origine. J'apporte la force et le mouvement. Je suis à la base de toutes les programmations. Les humains m'appellent l'énergie, mais je suis ce qui crée et entretient l'énergie. Les êtres ont cru me saisir, c'est moi qui les ai servis. Voici Tess. Tu t'enfonces profondément dans mes abîmes. Mais si tu me résistes encore,
c'est que tu ignores le glorieux destin qui t'attend et ce monde infini dont tu fais déjà partie. Tu regardes au long des détours de ce souterrain les squelettes qui tombent en poussière sous leurs scaphandres. Regarde-les bien. Ce sont tes frères, les terriens. Ils font désormais partie de moi, Thor. Penche-toi. Peut-être reconnaîtras-tu certains cadavres. Ceux qui ont encore un visage. Je reconnais l'armure du commandant du poste M14. Et celui-ci. Il a été mon copilote au premier raid. Et celui-là encore. Mais c'est Anax. C'est le jeune Pierce. Ils sont tous là. Tu vois, ils m'ont suivi. Mais les victimes prédestinées sont rares. Ce n'étaient que de pauvres humains qui m'ont donné leur petite vie humaine. Toi, tu nous ouvriras le cosmos auquel tu es destiné. Approche-toi. Viens plus près. Nous voici presque face à face. Viens plus près. Non ! Non ! Je ne permettrai pas ! Ton arme, Tess ! Elle brise l'antimatière ! Une machine. Ce n'était qu'une machine à ultrasons. Oui, ce qu'ils appellent un régénérateur. Avec un réservoir et des tuyaux d'alimentation, bien sûr. Il éclatera. Parce que là-haut, sur la montagne, un pupitre de commande aura été endommagé. Mais on dira dans les siècles que Thès le Terrien a tué le dieu d'Anacrité. C'est ainsi qu'on écrira l'histoire. Tu l'auras aidé un peu avec Aelia. Voilà ce qui sera, Fed. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas. Antis! Ah, c'est Antis qui arrive au fait! C'est la reine de la lune froide, elle n'a peur de rien, elle n'aime rien. C'est peut-être le salut. Antis! Antis, au secours! Qui est là? Fed, pourquoi cries-tu? Grâce au cosmos, Antis. Tu es là, tu m'écouteras. Ils me croient folle, ils m'ont enfermée. Tout ça parce que je connais l'avenir. J'ai vu l'avenir. Qu'est-ce que tu racontes, tout cela? Dans le livre de la consécration, au temple. En fait, c'est pas un livre. Mais c'est trop long à raconter. Oh, des choses terribles vont arriver. Toi aussi, Antis, tu mourras à cause de lui. Je veux dire, cet étranger. Tes propres sœurs te tueront. Ton corps sera raidi de glace. Et tes yeux resteront ouverts. Et si tu l'aimes, et que tu es un fils de lui, celui-ci périra. Et le pays entier sera occupé, ravagé. Oh, Antis, sauve-nous, tue-le. Voyons, parle un peu moins vite. Tue-le, Antis. Qui faut-il tuer? Qui est-ce? Je te l'ai dit, un étranger, un terrien. Je n'aime pas tuer les inconnus. Sauf s'ils se mettent à ravager les planètes et à faire monter le prix de l'épée autre. Nous nourrissons nos chevaux à l'épée autre, tu comprends? Cela les rend fougueux. De froment aussi. Le froment... Celui-là fera pire, tu vas voir. Il t'enlèvera à tes sœurs, dis-je. Il t'ouvrira le cœur. Il est beau. C'est un monstre. Comment peut-il m'enlever? Je combats le guépard à main nue, à l'épieux, je transperce l'ours brun. Tu le suivras ébloui. Je regarde le soleil en face. Il te dira que tes yeux sont des étoiles et tu les fermeras. Il te l'a dit? Il le sait. Oh. Un étranger s'est vanté de vaincre la princesse de la lune froide. On pourra voir. Il causera ta mort et celle de ton enfant. En es-tu sûre? Je l'ai vu dans le livre, je l'ai vu dans tes yeux morts. Ah, dans le livre. Où est-il? Que fais-tu? Tu enlèves ton épée? J'en éprouve la lame. Elle est souple comme de la soie. Touche. Elle couperait un cheveu dans sa longueur. Il faut faire vite, avant que ton escorte ne te rejoigne. Elle ne comprendrait pas, vois-tu? Non, bien sûr. Tout de même, drôle de façon de recevoir tes invités. Où est-il, cet étranger? Voici sa porte. Il est là. Entre.
et frappe sans attendre. Le cosmos avec toi, Antis. Moi, je m'en vais dans le jardin. Je retiendrai tes sœurs. Bien sûr, petite fille. Va-t'en. Les voici qui arrivent. Pauvre Phède, comme elle se débat contre le destin. Elle n'y peut rien, faible oiseau pris. Les raies sont des séquences du temps. Elles se suivent. Non, elles s'écroulent. Pourtant, si Phède réussit, tout change. Rien ne change. Thor est détruit. Le grand Thor. Une séquence du computer remplace l'autre. Le destin se rattrape toujours. Quel horrible cauchemar. Mais il finit par une victoire. Je vous ai réveillé. Je m'appelle Antis. Je suis la princesse de la lune froide. Je m'appelle Tess, de la Terre. Vous êtes de la race de ces navigateurs durs et retors qui égorgent les enfants et violent les filles. Vous marchez dans le sang et il n'y a rien de sacré pour vous. Si j'en crois la légende, les prêtresses de la lune sont la douceur même. Vous maîtrisez les chevaux sauvages, vous tuez vos amants. Comme vous êtes beau. C'est pour vous plaire, princesse. Les lueurs là sur les cils. Et l'arc de la bouche. Je n'ai jamais rien vu de plus parfait. Vous faites de la nage, du ceste. Et vous, de l'équitation, du javelot. Vous avez des muscles longs qui ne craignent rien. Il paraît que vous êtes là pour me tuer. En garde, adversaire. Et si je n'en faisais rien? Je ne tire pas sur l'oiseau perché sur la branche. Je ne détruis pas la beauté parfaite. Vous a-t-on jamais dit combien vous êtes belle, Antis? On dit ces mots-là à Elia qui tisse le lin, à Phède qui saute à la corde. Une guerrière a d'autres soucis. Que vous importe Phède et Elia? Vous êtes là, appuyée sur votre arc. Et belle comme une armée en bataille. La lune luit de perles sur vos épaules. Tout à l'heure, j'ai parlé à d'autres jeunes filles. Chaque mot me semblait venir de loin, porté par les ondes temporelles. Oh, ma maîtresse. Venez, Antis. Non. Venez vous battre contre moi. Je n'ai pas d'armes sur moi. Voyez-vous-même. On m'a pourtant assuré. Vous étiez là pour me tuer? On vous l'a dit? Eh bien, éprouvez la destinée. Approchez-vous de moi si vous n'avez pas peur. Peur, moi? Plus près. Voici. Que faites-vous, malheureux? Je te prends dans mes bras. Est-ce terrible? Jamais un homme n'a porté la main sur moi. J'étais sur la terre. Tu frissonnes. T'ai-je fait mal? C'est la mort. Elle est douce. Qui parle de la mort? Je t'aime, étranger. Venez toutes! Trahison! Trahison! Antis est dans ses bras! Notre reine, avec un étranger! Vos gladiateurs en point! À vos armes! Trahison! Les ont tués. Père, au secours. Oh, je suis heureuse.
J'ai gagné. Et je pleure. Tess est mort. Et Antis. Ils sont là figés sous les jets des glaciateurs. Dans une suprême étreinte, les yeux ouverts. J'ai gagné. Tous les astronautes terriens ont péri. Anacrité est libre. Tu n'as rien gagné. Entends-tu cette rumeur? Oh, tais-toi. Je suis heureuse. Laisse-moi pleurer. Les habitants de cette ville reviennent trop vite. Écoute-les, Fed. Écoute bien. Que se passe-t-il? Thor n'est plus. Mais n'était-ce pas un rêve? Au secours, gardienne! Pitié sur toi, Fed. Je t'avais prévenu. C'était prévu par des causes trop lointaines pour être détruites. Tu n'as fait que bousculer les séquences. Les terriens massacrent les sages et ton père est mort. Un pan temporel a croulé, emportant Thor loin de cet univers, dans son gouffre antimatière. Le destin continue sa marche. En avant! En avant! Elle a eu du courage. Elle n'était pas très forte. Elle a brisé le mur du temps qui nous sépare douillettement du futur et du passé. Aelia a été emportée dans le néant noir. Et le roi de l'équité est descendu aux enfers. Les grands bois d'Anacrité brûlent dans le vent. Pourtant, elle s'est battue, la petite Fed. Elle a affronté la machine infernale. Elle a détruit Thor. Où est-elle maintenant? Elle va comme une aveugle, d'un arbre à l'autre dans la nuit. Cherchant celui qui a l'écorce la plus lisse et les fruits les plus doux. Elle est heureuse et elle pleure. Laissons-lui quelques minutes de ce bonheur amer. Elle se croit sauvée parce que Thésée est mort, qu'Antiope est morte et que leur fils ne naîtra pas. Parce qu'elle ne verra jamais cet autre visage de Thès, Hippolyte. Elle a tort. La programmation a été corrigée, mais les fins finales sont stables. Que fera-t-elle toute seule dans cet univers décentré? La petite Phèdre. Voici Phèdre, écoutez. L'aube monte sur ce palais des morts. À quoi bon lutter? Puisque je suis seule. Elle n'est pas sauvée. Elle ne pouvait pas l'être. Seule, sous un arbre. Il est vert. C'est un figuier.